وسيدي اللي تولي انت كوتاك نو غادرو نصحي شويه السين تدول ذاك من فكا وين كيضرونا كا اما هذه تمور اما سي ثما الجزائر تموت القبائل ثم اكاكير اكدرني هذا هو الجزائر ثكلتا ان واحد نزغ ان فكا يلحو نا ذا شو كي تقتل دي قمن اكدي نفكاو نا ديما الى كمال امباري زوف لك كمال زول رشيد زول كيدور اما ستان ثمان بسلمى زوف لك زوف لك رشيد تلميذتي اما ستان كمال ثمان بسلم سي بيرين ميلا سي ثمور سي بويرا قاسي سيداني ماينا زوف لك كما قاسي زوف لك رشيد زوف لك هذه ثلاثه يدوان هو يفهم نفهم اغاما نو ناغيرا وتزيري نار لو ناتور دو ريجيم الجيريا تو غنزغ بلي ذاك اون زميرات اللي تفرات بلا ما نفهم كي استلقايت امشي لحو وناكي راه كاين اتزيري مازما تي دينير فرانسيس لا فيريتا بروبليماتيك نو ريزيد تيل با دون لا ناتور دو ريجيم الجيريان ميم اوتومون دي است كي بو افوار اون سورتي دو كريز سان كيلي une réflexion profonde sur la nature du régime algérien ou qui est d'asksi amzouarou et Athman Bessalem. Merci Darach. Donc, oui, ça veut dire sur la problématique du régime lui-même, il faut savoir que la nature inès, oui, participe à la crise actuelle. Mais, à tas peut-être dire qu'il y a des choses par rapport à ça. Mais qu'il y a un gift de Wilt d'ailleurs, il y a un gift de Wilt je dis clairement que la nature du régime algérien n'est pas seulement la conception autoritaire. Ça veut dire que les conceptions autoritaires la nature, ça veut dire autoritaire du régime algérien, il a des références et des référents. Ça veut dire sur le plan dictatorial, c'est le régime nasserien qui s'est implémenté vers le fonctionnement du régime algérien, et ça depuis le congrès de Tripoli. Ça veut dire qu'il y avait, avant, ça veut dire ce qu'on appelle l'été de la discorde de 1962, il y avait une volonté de mettre en place, ça veut dire un fonctionnement idéologique vers les institutions de l'État à partir du congrès de Tripoli. D'un côté, donc, il y a le fonctionnement de l'État, ça veut dire autoritaire, unilatéral, unipartisme, etc. Donc, il est au Nchtaguiné. Sidjihemiran, il y a eu aussi le rôle des oulémas, ça veut dire les islamistes, mais à l'époque, on les appelait les oulémas. Donc, le rôle d'inclure à l'intérieur donc, de la constitution algérienne, donc, certaines valeurs qui vont au fait bloquer toute forme d'émancipation, d'idées, de société, etc. Donc, ils ont pris en otage, les uns, ils ont pris en otage la culture Themsleith, Thuthleith, Okuth Diana, où ils ont pris en otage les institutions, l'armée, les services de sécurité et aussi les médias. Donc, ils se sont en quelque sorte partagé le pouvoir. Donc, à Finchtaguinik, je vois que le régime algérien puise ses sources, etc., sur ces deux éléments. Et ces deux éléments, c'est à partir du congrès de Tripoli, un dessin vraiment une présence institutionnelle. On peut bien sûr revenir au conflit bien avant, à 49, à 57, au congrès de la Somme, à l'assassinat d'Abel. Mais la naissance vraiment institutionnelle du système Guinée idéologique qui a, ça veut dire, des référents et des références idéologiques, c'est à partir du congrès de Tripoli. C'est là que le malheur a commencé et c'est là que l'Algérie a dérivé. Donc, la nature a gagné, ça veut dire, lui impose certains comportements. C'est la situation qu'on vit actuellement. Tanmir, Mastan Bissalem, Qasir Saïdani, tu t'amour l'Ikichinia. Sans répéter ce que nous a dit notre ami Athman, je ne vais pas parler de ce qu'a engendré ce système comme exclusion sociale, ostracisme, déni de droits culturels, historiques, identitaires, jacobinisme, l'islamisme et j'en passe. Depuis 1962, sans revenir au congrès du Caire, de Tripoli, on nous a abattus avec une politique qui n'est pas la nôtre. On a importé le communisme de Abd Nasser et au fil du temps, on a engendré un nouveau système qui a été enfanté par le régime Boumdine Ibn Bella. Ce qui fait aujourd'hui que
surtout avec l'arrivée de Toubou, on revit carrément, et ça se voit directement, la période de Bondy. C'est l'autoritarisme, c'est l'autorité, comment dire, c'est la même image qu'ont vécu nos aînés à la période de Boumdine. Et en termes de son fonction, de son fonctionnement, pardon, on définit, il essaie de rendre visible une isolation, ou plutôt un isolement entre la société et le régime. On dirait qu'aujourd'hui, actuellement, et ça ne se voyait pas avant, peut-être que c'est sur les médias, les réseaux sociaux et tout, le régime et la société vivent dans deux mondes en parallèle très différents, chacun tire de son côté. Et de cette image, on remarque que ce que font au sommet de la pyramide, ce que fait le régime actuel, ne le fait pas pour son peuple, ne le fait pas pour, il le fait uniquement pour se reproduire, se régénérer et rester au sommet. La nature du politique, la politique guinéenne. Et pour moi, c'est, comment dire, il est évident que une solution pour la crise actuelle ne peut pas s'envisager sans débattre réellement sur la vraie nature de la politique actuelle. Parce que si on va pas à définir réellement la nature de la politique guinéenne et de l'autoritarisme guinéen, on ne peut pas changer le système et on ne peut pas même pas rêver de prendre le pouvoir. Alors, il y a une équation qui définir la nature du système politique, trouver des solutions pour peut-être envisager de prendre le pouvoir parce qu'on va le actuellement. Voilà. تنمية قاسية كمال كشيني ونزمي غير نفر سي زغن تاكي بلا ما نفهم في الحو وذا بواد زاكي هكا لكن الرشيد جوستمون إلا قيون ديغ زيون دي فهميون غار لان تشرا ثلوفات تبينت لان تشرا فرنت مي سكي امبورتون ا كومبروندر سي كو جوستمون زعما سنة ذابو الزاير ابنيات بور ان تي بو بلار et soi-disant faire croire principalement à l'opinion internationale que le Zaïre, ça a des institutions, il y a du vote, etc. À Diazariumbli, les institutions dans les régimes autoritaires, ils sont factices, voire fictives même. D'ailleurs, des fonctions, c'est des fonctions de cooptation, d'intégration, de régulation, des rapports de force au sein du régime. Donc, et n'étant justement qu'on fuit tout ça, etc., ce n'est qu'une phase, une zone, le régime est dans une zone de turbulence, dans une phase de turbulence, et justement, il doit, on peut dire, distribuer des cartes, élargir la clientèle pour pouvoir se stabiliser, se reconstruire, parce qu'il est déstabilisé. Et en même temps, à Diazar Yéoun, mais chez Thmouren ni des institutions, ni à la tête de ces institutions-là, c'est le critère de la compétence, ce qu'on peut appeler la méritocratie. Donc c'est par mérite, on peut dire. Mais, ni la force, à Diazariyoumbili n'est pas axé sur la citoyenneté, mais elle est basée, on peut dire, sur l'intérêt, sur des liens, on peut dire, même familiaux, c'est-à-dire on peut désigner des membres d'une même famille ou rapprochement familial dans des postes pour pouvoir se servir. Et donc, ce n'est pas la citoyenneté qui est au centre de la gestion, mais c'est plus par des liens de sang, de famille, d'intérêt, etc. Donc, aussi, lorsqu'on parle de régionalisme, réellement au fond, et c'est pour ça que la seule option pour l'Algérie pour mettre fin au régionalisme, c'est de donner pouvoir aux régions et non pas mettre les régions au pouvoir. Parce que il fera qu'on peut dire des quotas, c'est-à-dire le président est élu d'une région, président du Parlement est élu dans une région, le Sénat, etc. Ils essayent de répartir selon selon la situation géographique, pour pouvoir créer cet équilibre-là
pour pouvoir continuer à régner. Donc, la citoyenneté n'est pas axée, la gouvernance n'est pas axée sur la citoyenneté. Et donc, la véritable question, c'est une question de système, c'est-à-dire il faut revoir tout, mais malheureusement, actuellement, vu la nature, justement, la nature du régime, tout est axé sur la lutte clanique, sur la distribution de la rente, sur l'élite organique. Donc, tout est, on peut dire, est fait pour pouvoir faire durer le régime. Tant que la rente existe, tant qu'encore, Thamour, Mazelad, Tsaïkheri, Vrimen, Swazouz, Mret, Soussim, Imdanen, Swazouz, Imdanen, le régime, il s'a Mazel. مازال اسعى مساني وسان زت مي ذا شو اسمي ذا تغلي اون كريز اسمي ذي لي ان يا با بوسيبيليتي دي كريي دي كومبرومي او سان دو او سان دو ريجيم اي ايدينا زمرسناني بلي الريسك مالوروزمون سي اون فا با انتيسيبي لي شوز اون ريسك دي الي فير ان افوندرمون اي سيليا افوندرمون مالوروزمون زمر واحد دي سيتواسيون انجيرابل سي بور سا جوستمون مالوروزمون بيدي سيغيون امش دو ثمور تم كانت سداونا شي داش دي انش نتولا ماشي دوي داك اللي لان ديمدانن نسعان انزيو منسن يوكن اد سبدن ثمور دي انستيتيوشن مي مالوروزمون تمور نيلان ثبنا جوست زمرسنا ني سور لانتري سور كيستيون دو لوت بور بوفوار انو دي الحق يثقاشوش نتمور بور بوفوار اون بو دير افوار لا ميم سور لا رونت pour la distribuer à leur clientèle. Et c'est pour ça, justement, malheureusement, Thamourth, il n'est pas sur la bonne voie. Est-ce que le contexte international est-il favorable à l'affaiblissement du régime algérien si on continue selon la même devise qui dit que l'échange entre les États est une question d'intérêt. Bon, pour les questions du côté international, est-ce que la conjoncture actuelle est favorable ou pas au pouvoir algérien, au gouvernement algérien, c'est vraiment très complexe pour dire oui ou non. Mais il faut savoir, le contexte international peut changer d'un jour à un autre. Donc, dans la situation par exemple de la Tunisie, à un certain moment, l'ancien président tunisien, il était bien boukaniste depuis des années, etc., etc., Ben Ali, et d'un jour au lendemain, il était bien sûr l'ami de la France et tout, d'un jour au lendemain, tout a basculé. Il se retrouvait dans l'avion, c'est Moufis. C'est la même situation avec Moubarak, et Moubarak, c'est encore plus. Parce que Moubarak, il était dans les accords d'Oslo, aux États-Unis, pour la paix israélo-palestinienne. C'est un vrai allié de la région, c'est un vrai politicien, c'est une grande figure au Moyen-Orient. Donc, ce n'est pas des moindres. Mais du jour au lendemain, les États-Unis l'ont lâché. On a vu, c'est la même chose avec Kadhafi. Avant, il se pavanait de la Guinée de l'Occident, etc. À Paris, il a même installé sa Khaïma, en quelque sorte, en guise, en quelque sorte, de sa puissance et de son influence, etc. Mais du jour au lendemain, ils l'ont lâché. Donc, en réalité, le contexte international peut changer d'un jour ou un autre. Ça veut dire que la situation actuellement, par exemple, en Ukraine, peut jouer sur la situation en Algérie. La baisse du cours du pétrole peut jouer en faveur d'une faiblesse, etc. Donc, mais revenons, ça veut dire, au gouvernement algérien actuellement. Il faut savoir que le gouvernement algérien actuellement peut compter actuellement sur le soutien de certaines puissances, y compris la puissance chinoise et la puissance russe. Au Guinée, c'est d'un poids. Ça veut dire que les Russes, il faut savoir qu'ils ont repris du poids, surtout compte, voilà ce qui s'est passé en Ukraine bien avant, donc des années, ils ont contrôlé la Crimée. Donc, bien sûr, sans respect du droit international. D'un autre côté, bien sûr, ils se sont imposés en Syrie, ils se sont imposés donc dans le Moyen-Orient. Donc, actuellement, ils ont un pied au Moyen-Orient et actuellement aussi, ils ont un pied en Algérie, surtout quand on voit les relations militaires entre l'Algérie
et la Russie. Donc ça, c'est vraiment révélateur. Et surtout, surtout, quand on voit les informations qui parlent donc de l'envoi, donc de ce qu'on appelle des troupes Wagner dans le Mali. Ça, c'est de notre côté. Donc, ça profite beaucoup plus à la stabilité du gouvernement et du pouvoir algérien. D'un autre côté, les Européens, ils sont face à deux dilemmes. Ça veut dire l'Union européenne, si on le prend comme tel, ils sont face à deux problématiques. La première problématique, c'est que dès qu'ils interviennent, tu as l'opposition algérienne qui attaque les Européens. Ça veut dire les premiers à attaquer les Européens quand ils vont prendre une décision contre les exactions à l'égard des droits de l'homme, on les voit, c'est les opposants eux-mêmes. Ça veut dire, on a vu une fois, donc le Parlement européen intervient, et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le Hirak, etc., insulter donc les Européens. Il y a eu déjà une prise de parole de Macron, les manifestants ont insulté Macron. Donc, pour la première fois que le président français avait pris une position en disant que le pouvoir algérien, c'est un pouvoir militaire, et Tebboune actuellement, il est pris en étau par les militaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde, ça veut dire, s'est allié derrière le pouvoir algérien. Donc, en fait, ils te disent, nous, si on intervient, les premiers qui nous insultent, c'est les opposants, ça veut dire, c'est les victimes eux-mêmes des pouvoirs. Donc, en réalité, c'est problématique pour eux. D'un autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Ils te disent, voilà, il y a une deuxième raison d'arriver, les Européens, ils ont peur. Mais ça veut dire, qu'est-ce qui va garantir une stabilité en cas de chute du pouvoir? Parce que nous, ils ont une certaine certitude que l'alternative sera islamique dans les pays, Guinée par exemple, comme l'Algérie. Donc ils te disent, s'il y aura chute du pouvoir, automatiquement, il y aura déstabilisation. Et déstabilisation, on veut dire l'arrivée des islamistes au pouvoir. Et qui dit arrivée des islamistes, donc on fera face à deux problématiques majeures, sécuritaire et migratoire. Ça veut dire sécuritaire parce qu'on aura des gens violents, etc., en face de nous. D'un autre côté, on aura une crise migratoire puisqu'il y aura des centaines de milliers de personnes qui vont fuir vers l'Europe, dans le cas, par exemple, de ce qui s'est passé en Syrie et de ce qui s'est passé en Irak et de ce qui s'est passé en Afghanistan récemment. Donc, tous les points actuellement, ça veut dire à l'échelle internationale, sont en faveur du pouvoir algérien. Même si tout peut changer, bien sûr, d'une journée à une autre. Mais sur les stratégies, comment faire changer cela, etc. Sur la nécessité d'alliance internationale des peuples non arabes, dès le contexte de la coupe arabe, etc. Donc, c'est un autre débat, mais c'est juste voilà la lecture actuellement de la situation internationale. تنميتك يا عثمان قاسي شو تسمولي كي تجينا قاسي Je parlais tout à l'heure de menaces de guerre contre le Maroc. En fait, le contexte international et régional ne sont pas indissociables de la scène politique nationale, pour des raisons diverses et connues de tous, liées peut-être à la mondialisation, aux proximités à autres dépendances, aux flux migratoires et aussi surtout aux différents tiraillements géopolitiques. L'Algérie est fortement dépendante du contexte international et régional. Par ailleurs, il faut le souligner aussi que le régime algérien a toujours cherché à acheter le soutien et le silence de la communauté internationale. C'est sûrement pour instaurer une vision totalitaire et qu'on ferme les yeux sur ce qu'on fait en Algérie. Pour toutes ces raisons et d'autres liées aux intérêts personnels, c'est un que les intérêts, c'est un les immobiliers, c'est les familles en Europe, aux États-Unis, ailleurs. Donc il y a des intérêts à protéger. Notre pays a toujours demeuré à la merci des évolutions des relations internationales. Sauf que depuis la réémergence de la Russie dans la scène internationale, notamment depuis son intervention en Syrie en 2018, l'Algérie a opéré directement des rapprochements stratégiques vers ce pays. Ceci est davantage explicite dans les comportements et les déclarations de la diplomatie algérienne et donc du pouvoir. Mais cela, pour moi, ne garantit pas l'avenir, car les clans au pouvoir ne sont pas tous forcément de la même on va dire obédience géostratégique. Il y a ceux qui sont pour la Turquie, le clan négro, le Gaïd Salah, il y a ceux qui mêlent la Chine, il y a d'autres pour la Russie.
Il y a au Gabriel l'Émirat, il y a la France, il y a les États-Unis en Algérie, et c'est toutes les puissances qui ont humain en Algérie. C'est sans doute dans ce contexte qu'il faut insérer et interpréter les révélations dont il est question. Plus à propos de certains assassinats, comme le dit Jules, entre guillemets, l'assassinat de certains activistes et de certains généraux. Davantage sur l'international et le pouvoir algérien, on ne peut pas dire que voir l'Algérie s'affaiblir sur l'échelle internationale va nous donner un coup de pouce pour réaliser une démocratie à l'intérieur. Parce que, on va revenir à la base, l'échange entre les États, c'est leurs intérêts. Si l'Algérie, en tant que nation, s'affaiblit, les autres, on risque d'avoir, je sais pas, une invasion, je ne sais pas. Il y a d'autres risques à prendre en question. Il y a les intérêts d'autres pays à prendre en Algérie. Et dans le cas algérien, et pour beaucoup de pays, notamment africains, cela s'appelle perdre la maîtrise de son destin. Et je pense que, je ne sais pas si, bon, je viens de dire que s'affaiblir au niveau international ne veut pas dire que c'est un coup de pouce pour réaliser une démocratie ou avancer dans notre projet de construction d'un front démocratique. Voilà. تنمية قصير دور الله كمال غوريك السيد السور مانوالي اسميس لا دوفيز كي دي قان بلي ليشونج دي زيتاي بازي سور لي زانتيري وزمان ديك ملكه كي غاشكو توا دوغا دي فرنسا فرنسي فرنسي ثنايان يعني شفيع مساكين يثنت بلي ديال دي فرنسا جوج 2007 سي ميموار سون بون الا ديك توني بلير وديك اللي نغلف مزوان لانجلتير سان كوزي ميم سعيد سعدي اللي تي انفيتي بور ديسكوتي دي زونجو استراتيجيك على ليشيل بلانتيير سعيد سعدي ناد كواليس ذاك كان الناس نتيدين الاثنين توني بلير اي سان كوزي الناس بلي لا اتر كومبليزون افيك دي ديكتاتور ان افريك دو نور باغ اكزومبل et que ça entraîne une mauvaise gouvernance entraîne forcément une immigration massive, et puis derrière l'immigration massive, c'est les charters, c'est les débats interminables des Français avec l'immigration, avec les clandestins, etc. هات نبطتون غورا صافي كلي في الزمور شو يتسمو علينا كي تشيني هات انشتي كي غادي يبدل تيك تيك اللي قام بلي كلشي بازي في لي زانتيري دو غالن فاراج كي قارن ميم يتبو غانيا يتنس الحاين شو تسمو علينا كي كمان Et les Ouarais, qu'ont dit Famille Oumbeli, ce qui est important pour le régime algérien, c'est son maintien, sa survie. Donc, il est prêt à faire toutes les concessions possibles pour même, on peut dire, venir soutenir, on peut dire, des politiques des grandes puissances. Parce que Amelzaïr, qu'on le veuille ou non, historiquement, c'est vérifié, Zahir, c'est la chasse gardée de la France. C'est-à-dire, les Américains ont fait des choses, Zahir, blema français de Sahawalis. Donc, Zahir, on peut dire qu'il essaie un petit peu de répartir. On peut dire. La Russie, par exemple, s'arme des armes. Les Américains ont un certain nombre de coopérations. Les Français, kif-kif. Donc, on peut dire c'est les trois grandes puissances, on peut dire, dernièrement avec les coopérations avec la Chine, tout ça. Donc, le Zahir, il va satisfaire, on peut dire, ces puissances-là au détriment de son avenir. Parce que oui, il y a mais chez lui, il y a la culture d'État, mais ce ne sont pas des hommes d'État, ce sont des hommes de pouvoir. Ce qui leur intéresse, c'est de rester au pouvoir. Ils n'ont pas de faire quelque chose, ils ailleurs, nous. Donc, c'est pour ça, justement, Mazelan, dans ces manœuvres-là, etc., ils sont prêts à s'allier avec le diable pour que ce diable-là leur assure le maintien au pouvoir. Véchou, on ne peut pas dire. Que ça, on peut dire une carte blanche, c'est-à-dire la marge de manœuvre, on peut dire, se réduit, on peut dire, devient de plus en plus étroite parce que
on peut dire qu'il y a justement une certaine reconfiguration, parce qu'à Diaz Rion Bli, après l'effondrement, on peut dire, du mur de Berlin, Zmassani, l'effondrement de l'Empire soviétique, américain, l'ami de l'Ouhde sur la scène internationale, on peut dire gendarme du monde. Mais avec le retour, on peut dire, sur la scène internationale de la Russie, c'est un petit peu d'équilibré pour parler un peu plus d'un monde multipolaire. Donc c'est pour ça justement, d'un côté, on peut dire, c'est pour ça que justement le pouvoir algérien, le régime algérien, a manipulé à un certain moment et essaie de s'imposer en tant qu'acteur régional, par exemple pour la question de la gestion des terrorismes. Donc, justement, Midinen, au niveau de l'Europe, au niveau de certaines puissances, ils ont peur à ce qu'il y ait l'effondrement du régime actuel parce qu'il n'y a pas le dessein justement d'une alternative. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent un régime connu que de vouloir faire une aventure et de créer une déstabilisation. Parce que si l'Algérie, si le régime algérien tombe en absence d'une alternative, c'est toute la région qui va être déstabilisée et ce sont justement les intérêts notamment de l'Europe, principalement par exemple de la France, qui vont faire tout pour éviter, on peut dire, un autre champ de bataille, un autre foyer de violence. Donc c'est pour ça justement, Mazelad, le régime algérien, il joue par rapport à ça, ça soit par rapport aux intérêts, ça soit par rapport à la question de la sécurité, de la stabilisation, de la stabilité de la région. Alors, même Pondaran, Tigret Dimanis, dont on peut dire une nouvelle donne, pour la question par exemple de stabilisation, enfin les conflits nilins, soi-disant entre l'Algérie et le Maroc, et on peut dire l'implication. L'Israël Tigret Dimanis dans Gilab. Donc toutes ces questions-là, on peut dire, risquent un petit peu de chambouler les choses, mais en même temps, les conflits techniques, par exemple, le Maroc, par exemple, vu, on peut dire, la nature de ces régimes-là, qui sont non démocratiques, ils ont aussi la carte populiste pour dire que, enfin, pour réellement, au fond, une carte interne. C'est-à-dire, pour le régime marocain, il va dire que c'est la menace de la part des Algériens. Le Zaïre kif de vice-versa, plus la menace, on peut dire, de l'Israël. Donc, toutes ces données-là, on peut dire, créent, on peut dire, une grille de lecture brouillée pour pouvoir justement créer, on peut dire, une certaine stabilité au niveau interne. Parce que Zaram Belli, réellement, au fond, tôt ou tard, il y aurait, on peut dire, un effondrement d'un régime qui n'est pas même capable de gérer le minimum vu ce qui se passe actuellement. Donc on peut dire, d'un côté, ils n'ont pas les mêmes, on peut dire, marges de manœuvre, mais de l'autre côté, tant que Mazar Antla la rente, le régime algérien pourrait encore continuer, on peut dire, à gouverner, mais quelle gouvernance, c'est-à-dire au détriment des Algériens, etc. Mais jusqu'à quand? Mais c'est-à-dire, d'une manière générale, il ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite, mais rien n'est garanti. Et malheureusement, le problème qui se pose, c'est l'absence d'alternative qui pose plus problème pour, on peut dire, l'avenir des pays. تنميتك كمال أغم المير أثناء الدول إلى أغم المير أكيد لسا سسيان نقارو أنك فويز توزل يلي ونقون أردني ذا شو تسمو لينس أغا فوزكا أنو نقرا ونانو ذا فوكي غادزيرين ولا غا أن أزكان تموث أن يقبالين الزخل نلزير أن داريك تودسي وينس أغلي تأود مازو في دينيرس فرانسيس أدينا ذا كن كالي فوتن لكتور سو لدفنير تسو ريجيم الجيريان إي لسيو بور لا كابيلي dans le contexte de la déliquescence de toutes les institutions algériennes qui sont pratiquement en faillite. Je suis d'abord l'aîné, Zouira, c'est Amestan Atman Bessalem. Je suis d'abord c'est primordial. Selon ma lecture, ce n'est pas quelque chose que j'espère, mais l'Algérie,
Est-ce que la Kagib pendant des années et des années et des années? C'est-à-dire, il ne faut pas se leurrer. L'Algérie, c'est un interminable projet d'échec. Ça veut dire que c'est un échec vers un autre. Et elle le prouve de plus en plus. Ça veut dire, il y a les discours populistes, les Moussinar, le Zahir et tout ça, ce n'est que d'un discours. La question qu'il faut se poser, vous répondez sur la question de fond. Qu'est-ce que l'Algérie a produit pour l'humanité depuis son indépendance à ce jour? Qu'est-ce que l'Algérien a réalisé? Ça veut dire, à part ceux qui ont quitté, ils ont fait des grandes carrières à l'étranger, parce qu'ils ont eu des moyens avec lesquels ils peuvent avancer. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi vraiment à faire quelque chose et à donner quelque chose pour l'humanité. Je ne parle pas sur les sacrifices, hein, je ne parle pas sur les images à Marc Blounès, Ketbiassine, et autant d'autres, hein, parce que c'est des chefs-d'œuvre, que ce soit sur le plan musical, littéraire, d'engagement. Mais je ne parle pas sur ça, parce que ça reste toujours de la résistance. Mais qu'est-ce que l'État a réussi de faire? Des choses de Zahir, des choses de Zahir. Moi, je pense que la situation de crise, elle va continuer. Etkemel ou mazel etkemel. Donc, il est nécessaire que la classe politique, intellectuelle, culturelle, académique, politique, en Kabylie, doit y arriver vers un consensus pour y aller vers une feuille de route pour la sauvegarde de la Kabylie. C'est le plus urgent. Ça veut dire y aller et sauver le peuple kabyle et la Kabylie. Et à partir de là, le jour où nous connaissons les institutions, un protégé avec le Dénard, un Ouali, d'Aïnimzmer, un Khadamit Mourtin. Peut-être l'exemple, Galatfkar, il sera dur. L'Algérie, c'est l'exemple de l'Irak. Et les Kurdes ont réussi à protéger leur peuple. La seule région qui a échappé à la guerre civile irakienne, parce que Khatar Khan, c'est les Américains, etc., mais il y avait une guerre civile entre les chiites et les sunnites, c'est les Kurdes. Ils se sont protégés. Ils ont vu que l'Irak, c'est il y a beaucoup de problématiques. Ils ne peuvent pas vraiment gérer les problèmes irakiens. Et ce n'est pas aux Kurdes de régler les problèmes entre chiites et sunnites. Ce n'est pas aux Kurdes de régler à eux seuls un problème qui touche tous les Irakiens. Et on a vu, le jour de fait Daesh, la seule région qui a été la rempart, etc., et qui a su protéger ses intérêts et son peuple. C'était les Kurdes, parce qu'ils avaient une région d'Algérie exactement à l'image de l'Irak. Moi, je vois que les Kabyles, ils doivent se protéger tout d'abord eux-mêmes, leurs institutions, garantir leur stabilité, garantir leur sécurité. Après, ils n'ont pas de décès. ثاني ميثيك يا عثمان لا لانولوجي كي الجزائر العراق لي كورد كي اون روسي افوار لو زانستيتيسيون غونسن ذا شكي نسالام يثموت ني قبليا كي تدنا ديال اليون هذا يغال ذا مغناس يثموت تقبالي ذا شكي كان عاط اي جن تموت قبالي تفاص كيغتو الشهر الناس طبيتي يقلنا كاد الجزائر تو في نزغا تمغلي انا قاسي Pour moi, la Kabylie doit se prendre en charge seule. Dans le calme, dans la solidarité, dans l'esprit de la responsabilité, afin d'éviter de tomber dans les enfers de ce pouvoir. Sauf que à elle seule, ça va être très difficile parce que l'environnement régional est très empoisonné par des intérêts d'affrontements géopolitiques ou autres. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on doit se battre pour l'autonomie, pas seulement de la Kabylie, mais de toutes les régions de l'Algérie. Pour que, pour une autre fois, retrouver l'esprit de la Soumane et donner le pouvoir aux régions. Et merci pour l'invitation. ثاني ميرت قاسي نتولى ذا كمال تكفو يسك سنت تمغلي وين زعما دينا ميان اذا تكا شويط ادي سمن تزغنت اذا جينا لا تينا عثمان كي قابل لي
inévitablement, on n'a pas le choix que la Kabylie a tsour les institutions ines ad kessimanis pratiquement c'était yakous gwani choudna lzaïr nous rafransou même les que des Irak l'arnir qassi qui qam bli wisma diyadrou chakir je crois là zakhn lhabs mqahani mqarna lzaïr nchoud nvra nagou nvghi nchoud lzaïr rodavou yakir ou gna des sersen nadis difficulté que les concessions ou dernier contexte national qui est un peu difficile de chaque qui jeune nous l'émission qui a une variété une émission beaucoup plus grande bien un facile les dogmes un facile les dogmes nier et là qui là qui là qui là qui là qui là qui là c'est une solution qui guarde natas natas ou yufan advocat morlin qui tient quand je pense que les deux propositions ne sont pas contradictoires pour moi elles sont complémentaires. Un projet, une vision, donc les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir les réaliser. Oui, la Kabylie, même pour protéger l'Algérie, je pense qu'il fallait protéger la Kabylie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauvegarder actuellement l'État algérien, la nation algérienne, si on ne fait rien pour sauvegarder la Kabylie. C'est-à-dire... Si on va affaiblir la Kabylie, si la Kabylie s'affaiblit, s'il n'est pas immunisé, parce que la Kabylie, réellement, au fond, il est immunisé parce qu'il a eu un combat long. C'est la Kabylie qui a initié toutes les questions démocratiques, que ce soit liées aux droits de l'homme, et la question identitaire. La lutte contre le terrorisme, le Thugdout Soumater, la laïcité, c'est-à-dire Temourli, la vision du monde portée par la Kabylie, il est au diapason avec, on peut dire, la modernité. Parce que c'est une question de modernité et de citoyenneté. Mais donc, il y a des liens avec les autonomies de toutes les régions d'Algérie. Comment tu vas faire ça? Mais c'est ça le problème. Non, mais le problème à Rachid et Rachid Qara, c'est-à-dire il faut avoir les moyens de sa politique et il faut voir les moyens pour y arriver. On ne peut pas résoudre la question dans un plateau télévision et dire que tout le monde est sur un plan politique, sur un plan, c'est aux partis politiques, si aux hommes qui s'engagent sur le terrain, de faire leurs propositions et qu'elles soient soumises, on peut dire, à la population. Mais il y a des choses qui sont mais là, on n'a pas remis en cause un certain nombre de fonctionnements. D'abord, remettre en cause la question du jacobinisme. Si on ne fait pas fin au jacobinisme, à l'idéologie jacobine, tout le reste ne peut pas provenir, on ne peut pas avoir d'issue, on ne peut pas avoir de solution. Donc, la question idéologique, il couple arabo-islamique, alors que, parce que justement, il est venu à Fchalen. Donc, si on n'arrive pas réellement au fond à associer, je suis tout à fait d'accord le fait qu'il fallait associer l'élite, toute personnalité ou tout activiste ou toute personne qui pourrait participer dans ce débat de propositions de solutions, ou justement, loin justement du dogmatisme, loin des solutions, ni l'un qui divise. Parce que dès qu'on rentre dans la politique, des propositions partisanes, ça divise. Mais il fallait justement y aller vers ce compromis-là, y aller vers une vision plus large, mais où le Touareg, la solution et la Kabylie, mais là, il n'y a pas une certaine ouverture pour pouvoir, on peut dire, y aller vers une transformation aussi du régime algérien. Je n'en pense pas, parce que tant que le régime il est axé sur le centralisme, sur l'autoritarisme, sur une gestion sécuritaire, ce n'est pas facile pour enclencher d'autres chantiers pour y aller justement à ce que la Kabylie puisse avoir ses propres institutions. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu as l'air belli, il a qu'il y a un document
le congrès de la Soumam, c'est pour ça que je parle de l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas de calquer, mais l'esprit de la Soumam, ça veut dire d'y aller vers le pouvoir des régions pour pouvoir justement permettre à Mala Kabylie, parce que réellement, au fond, il y a une certaine hypocrisie. Même les autres régions, réellement, au fond, vantent leur autonomie. Déchou, tout simplement, c'est que le pouvoir, il arrive à, on peut dire, faire taire tout le monde. Oui, c'est vrai aussi par les médias, par l'école. Toutes les institutions de l'État, malheureusement, travaillent au service d'une idéologie pour faire taire et pour justement discriminer la Kabylie. Ça veut dire, Branid Sintin et les autres régions, Blidin Temur Zlkabayin, Essan Temur Lith Mkhalef, Dwidekne de la menace pour l'unité nationale. Et c'est pour cela réellement, au fond, cette idée d'autonomie, elle est dans l'esprit de tout le monde. Simplement, la Kabylie, il réfléchit à haute voix, Dwidekne Tam, ils n'ont pas les moyens intellectuels ou politiques pour pouvoir l'exprimer. ثان مرثيك كمال ثان مرثيك مستان عثمان بالسالم ثان مرثيك عثمان ليش درشيت مثل العرضية جيم مش قرن أتص أتص بوليد البيان أتص نو ولي لقد نوي ذا عمني دون كشاد مني ما أعرف من اللي اسمه أظن ثان مرثيك بجيم الحرم أو ثان مرثيك بقول لنا مش قرن بدي جلندي ماشينين دارن أعتقد ميزنا وخدمنا أتص السجينية تنمير في ذلك وقد أعطي سلن كشدني إلاق من غادي كمل غاز ذات إلاق نولي غادي نفسي فراتي شوالي جان خطر أن سيكل دلو تكاقي صار دير موفمو ناسيونال دبي لزاني 20 القبائل هيد السن كيران لا ريفوليسيون لزاني 60-70 كترفا حلمي لسابوسان أن سيرتان مومون إلاق لنفسي فراتي لا سوري سوحة جان on peut pas continuer éternellement de cette façon là تنميه عثمان سيدت قيف سنه سوايا يا مزدو كل سنه حاجه شنا كي غير نبوي غفو سنه لك يا سيدي راني اي قاسي سيداني سيد موثني قبلين تنميه تيك تنميه تنوين العرضه كي تنميه تك وقضيه التفاعل ارتفاع كمل تنميه تي تنميه ينبيو النار دني مازال اسكاسيا دي حمل ديبا دي حمل خاطر نزمير دون اون ايميسيون يوكلنا نرثيرين يغبلان بروبليم بدير كومبلكس سورتو افيك افيك ان ريجيم باراي كي ني كومبرون با مالوروزمون لو سهران لا كولتور دي تاي نون كون فيزيون اي مالوروزمون اون ريسك دو سو ريفيي دون ان كاو اني بوتيتر سا سوري ترو تار خاطر في فرات لانت ريالمون او فون توغدوث تي نات تفراثيس مي مالوروزمون لا ناتور دو ريجيم nous laisse malheureusement dans une situation d'impasse. Akan Kamel, Akan Athman, Kakasi Kidnam, Satsuaya, Zemusu Kned, Admislav Kulush, Massa, Mazala Dilin, Isentel, Isia, Razes, Razdeth, Melkin, Wikim, Sidakimina, Andina, Kemeth, Dithalwik.